Bravo, t'es super, Olivier. Il va y arriver. Dépêche-toi, allez. Allez, debout et joue. Je t'en supplie, Olivier. J'irai au Brésil si nous gagnons le championnat. Mais si je me bats, ce n'est pas uniquement pour cela. Je tiens à laisser un bon souvenir à mes amis. Quoi ? Il faut qu'ils soient fiers de moi. Comme ça, ils ne m'oublieront jamais. Après s'être relevé, Hatton remet lentement la machine en marche. Allez, Olivier, montre-lui que tu sais encore tirer. Le capitaine de la New Team se retrouve tout seul devant les buts de Warner. Il se prépare à tirer alors que le ballon va bientôt retoucher le sol. Allons-nous assister à l'un de ces fameux tirs à effet ? Marquera-t-il le quatrième but tant attendu ? Qui n'importe quoi. C'est un moment plein de suspense. Le public retient son souffle en attendant le tir d'Hatton qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans cette rencontre si âprement disputée. D'après sa position, je crois pouvoir dire qu'Olivier ne va pas tirer comme d'habitude. C'est peut-être le dernier but que je marque dans mon pays. Hatton récupère le ballon que lui a passé Harper. Il tire avec toute son énergie retrouvée. Warner reste immobile au milieu des buts. Il n'a pas encore décidé de quel côté partir. Ça y est, Warner part vers la gauche. Il va plonger. Je l'arrêterai, même si je ne peux me servir que du bras droit. Une fois de plus, Warner tourne étrangement le dos au ballon. Attrape-le, Ed. Le ballon arrive très vite, mais beaucoup trop grand public. Néanmoins, Warner était prêt. Coup de théâtre. Le ballon qui n'a pas cessé de tourner repart vers les buts. Rêve ou quoi? L'effet que Hatton a mis dans cette balle la renvoie vers l'angle opposé. Warner est pris à contre-pied. Et c'est le but. Le score est maintenant de 4 buts à 3 en faveur de l'équipe de la New Team. Nous n'avions encore jamais vu un effet aussi extraordinaire. Et il est certain que seul un joueur de la classe d'Hatton pouvait réaliser un tel exploit. Alors que le ballon semblait passer à côté des buts de la Toho, l'extraordinaire effet mis par Hatton l'a fait rentrer à l'angle opposé, laissant Warner impuissant. Le public et les joueurs sont encore sous le choc. Ils regardent sans y croire la cage de la Toho, mais ce n'est pas un rêve. En début de cette première mi-temps des prolongations, Hatton vient de marquer le quatrième but, qui pourrait bien être celui de la victoire de la New Team.